comme des barbares en Inde est un livre auquel je tiens beaucoup. C'est donc un essai littéraire, à la fois très littéraire et très personnel. C'est à la fois de l'archéologie littéraire et aussi un livre où, pour la première fois, d'une certaine façon, j'ose écrire sur l'Inde personnellement. Pas pour raconter mes voyages, mais simplement pour revisiter le rapport à l'Inde de quatre écrivains que j'admire profondément, qui sont Loti, Michaud, Malraux et Gide, chacun ayant des liens entre eux, trois d'entre eux étant allés en Inde et un autre pas, mais Gide, qui n'est pas allé en Inde, avait quand même un lien intéressant avec l'Inde. Il a traduit notamment beaucoup de littérature indienne. Donc, si vous voulez, c'est à la fois un livre d'amour et d'admiration, c'est à la fois un livre personnel, parce que l'Inde, c'est tellement énorme, c'est tellement formidable qu'on se sent toujours insuffisant. Donc, de peur de se sentir insuffisant, autant faire un livre. Quant au titre, il est évidemment décalqué sur Le barbare en Asie et Barbare en Inde de Michaud, et je trouvais que c'était un clin d'œil amusant de mêler ces gens. Et puis, comme disait Malraux, on est toujours le barbare de quelqu'un. Donc je pense que pour appréhender l'Inde, il faut rester un barbare, mais il faut essayer d'être un barbare éclairé et d'écouter des passeurs. Donc pour moi, ces quatre écrivains, c'est des passeurs. Et j'y ai ajouté un monsieur merveilleux qui était Ravi Shankar, immense musicien, et aussi un passeur d'Inde que j'ai eu la chance de connaître et qui m'a initié à l'Inde, parce que la musique, c'est le plus beau des vecteurs pour découvrir l'Inde. Et Michaud avait cette phrase fabuleuse, il disait « N'oubliez pas ça, l'Inde chante ».